Le lutin du meilleur film d'animation est attribué à Execo. Même les pigeons vont au paradis de Samuel ouais Tourneur. Et donc et premier voyage. Le deuxième est Axel. Premier voyage Axel. De Grégoire Siva. Ouais. Ça va? Bravo. Salut Axel. Grégoire, donc tu es là pour Execo. Moi, c'est ça, c'est Samuel, ouais, qui est donc pour Même les pigeons vont au paradis. On va les écouter ? Et là, c'est Grégoire. Hein, Serge ? Donc, moi, je vais prendre... Faut rendre le micro, maintenant. Merci. Merci. Merci pour le prix. Je remercie notamment Simon, le producteur, qui est dans la salle, et l'un des co-auteurs, Olivier, qui est dans la salle aussi. Je remercie aussi vivement les animateurs, qui sont un peu les acteurs du film... On passait 3 mois notamment sur le projet et plein de monde. Et puis Aurélie aussi, bien sûr, pour montage aussi, qui est dans la salle aussi. Et voilà, bah, vas-y Grégoire. Et puis moi, ouais, je suis content pour Grégoire aussi. C'est une fois qu'on se retrouve ensemble sur scène, c'est cool. Je te retourne le compliment. Merci beaucoup à tous. Merci à l'équipe avec qui je travaille depuis quelques films et d'autres encore, j'espère. J'étais très content de le faire. Je savais pas trop qui ça pouvait intéresser au départ quand j'ai commencé à le faire, à part ma fille. Je suis content que ça vous. Je suis content. Merci beaucoup, en tout cas. Bravo à tous les deux. Et voilà, elle s'est fait sa place, naturellement. Bientôt, elle va parler, avoir sa première dent. Et puis, elle s'arrêtera pas là. Après, elle va marcher, manger, boire toute seule, sans avoir besoin de la main de son papa ou de sa maman, ni de sa fourmi préférée. Elle dessinera des arbres baroques en CP, elle écoutera des chanteurs à l'eau de rose avec ses copines en CE2. Elle claquera fort la porte de sa chambre en 3e. Bon sang, si j'ai des trucs à lui dire, c'est maintenant.